C'est un anniversaire un peu particulier. Le 2 juillet 66 avait lieu le premier essai nucléaire français sur l'atoll de Moruroa. C'était le premier des 46 tirs atmosphériques, mais également le prélude à 30 ans d'essais nucléaires dans le Pacifique Sud. Plusieurs associations polynésiennes souhaiteraient que ce jour anniversaire devienne un jour férié. En septembre 66, le général de Gaulle effectue un voyage en Polynésie. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. La contestation intervient en juin 73, quand plusieurs milliers de Polynésiens défilent dans les rues de Papeete. En 92, les essais nucléaires sont suspendus par François Mitterrand, mais en 95, Jacques Chirac annonce leur reprise. La décision déclenchera plusieurs jours de violentes émeutes à Tahiti. Le dernier essai nucléaire français aura lieu, quant à lui, le 27 janvier 96.